toucher la marque d'invocation. Invoquer ce spectre? Mais non. Ça doit être sûrement pour la coopération, ça, mais non. Bon, alors, du coup, on va continuer. On va continuer. Du coup, on avait pété le gros. Alors, si je me souviens bien. Voilà, il faut aller. Oula, il m'a fait peur, là. Ah, il arrive. Ah non, il arrive pas. Il est là. Alors, oui, les jumelles. Normalement. Oh putain, l'ombre, comment elle est buggée. Ah, normalement, il faut aller là-bas, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est ça. Et voilà, faut qu'on repasse par ici. On a trouvé le petit raccourci. Ça, c'était bien. Oui. Là-bas, il y avait l'échelle avec le chevalier, le gros qui était juste en dessous. Donc, normalement, c'est bon. On est tranquillou. Mais là-bas aussi. Ah oui, mais là-bas, non, il y avait juste un arc et puis je sais plus quoi. Donc, du coup, on s'en fout. Bon, bah, allons-y. Hop. Au pire, on y va comme ça. On s'en fout. Oh, c'était vraiment à deux doigts. Hein. Je sais pas s'il peut. J'espère qu'il peut pas sauter. Non, ça m'a l'air bon. Ah, du coup, ils ont repop. Merde! Mais j'oublie de me mettre la garde! J'ai oublié! Ah ouais, c'est bien ce que je me disais! Oh putain, j'ai tout sniqué! Ah, une gemme encore? Une gemme brute? C'est un bug ou quoi? Attends, parce que mon épée elle est pas déjà. Bah si, je crois. Je sais pas comment, mais. Je crois. Bah oui. Donc je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être que j'en ai deux, j'en sais rien. Faut en avoir plusieurs. Bon, bon, bon. Jusqu'à droit devant, ça c'est bon. Là il y a un ennemi ici, ouais voilà. Putain, il me fait chier avec ça. Mais pourquoi il crève pas? Espèce de sale. Un petit coup de potion. Ah voilà. Et là je sais pas pourquoi il marque menteur droit devant. Menteur droit devant, peut-être. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un arche, enfin un archer. Ah non, il y en a deux des comme ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Au pied du... Ouais, parce qu'en plus faut que je rende l'espèce d'anneau à la vieille, mais je ne vois pas de vieille. Là-bas, je crois qu'il y a des chevaliers, si je dis pas de bêtises. Salut Software, comment ça va? Il y a un chevalier qui est là-bas. Pourquoi toucher l'invocation encore? Mais encore un autre truc.
Ouais, je sais pas, c'est... Il y a sûrement des gens qui veulent jouer en... En multi. Cette horloge quoi, enfin ce vitrail. Alors lui. Bon, lui normalement ça devrait aller. Bon par contre faut pas que j'aggro les deux là. Parce que là s'il y a les deux... Ah oui quand même. Ah oui. Tu t'arrêtes jamais toi. Ok. J'en ai pété un. J'ai réussi à l'avoir sans son pote. Eh ben écoute, ça va software. Ça va bien. Attention, hein. Pas trop l'énerver celui-là. Bon ça va, en fait ils sont simples, hein. Ou alors c'est moi qui suis devenu fort. Alors c'est quoi ça? Ah mais je crois que c'est les espèces de mémés qu'on voit dans le... Dans l'intro du jeu. Alors qu'est-ce qu'ils me disent là? Ah, aidez-moi en vue. Ça me rassure pas ça. Qu'est-ce que c'est? Les jumelles. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a encore un chevalier là, merde. Une petite potion, hop, zou. Allez, on se le fait. Il est chaud, lui. Vas-y, viens. Oh putain. Oh mon salaud. Et pars. Merde, j'ai pris à. Mais non, faut pas prendre à deux mains. Ok, il est costaud. Oh la vache. Putain. Ah il me saoule hein. Ok c'est bon. Ah c'est bien, j'ai niqué toutes mes fioles. Ok. Et qu'est-ce qu'il gardait lui? Un bec de corbin. Qu'est-ce que c'est? Arme. Oulala. Allez, ça va être pas mal ce truc là. Elle est un peu moins bien que mon épée actuelle, mais bon. Parce que moi j'ai une brute plus 1. Il y a peut-être qu'on peut voir. Merde. Est-ce que je peux voir à quoi ça ressemble? Ah, c'est une espèce de truc à distance. Ouais. Ouais, c'est un truc à distance. Je suis pas trop fan. Bon, on va reprendre mon épée. Enfin bon. Putain, y a un autre chevalier là, je le sens pas lui. Est-ce que je peux m'approcher de lui doucement? Oh! Il y a des espèces de yeux rouges. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un saint! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah ouais, tu fais peur là. Oh la vache.
Ah bah ouais, non mais là oui. Qu'est-ce que c'est que ce chevalier de ouf? Chevalier de la mort. Oui, donc du coup je reprends là, ouais. Putain, ça me fait chier ça. Du coup on va courir, hein. On va pas s'emmerder. On va courir. Et lui là, avec sa grande hache, là, il est un peu fifou. Allez, vite. Oh, non, non! Toucher le sang. Non, je veux... Voilà, tirer le levier. Putain, ça m'a fait peur, ça. Allez, on y va, allez! Allez! Que c'est que cette merde? Ah ouais, c'est bon. Bon, bon, bon. Là, il y a un ennemi, là, normalement. Bon, on va courir. On va chercher à comprendre. Hop. Vite courir. On va se foutre là. Il a pas repopé, le gros, là. Ah si, il est encore là? Comment ça se fait qu'il est encore là? Mais je l'ai tué une fois. C'est un ennemi normal, ça? J'hésite à aller là quand même. Est-ce qu'on peut courir et sauter? J'espère que le gros va pas me tuer. Ou c'est bon? Un anneau sacrificiel, qu'est-ce que c'est que ça? Anneau sacrificiel. Où est-ce qu'on voit ça? Fragment, gemme brute. Mais c'est quoi que j'ai ramassé? Je comprends pas là. J'ai un pantalon encore là? Un pantalon. Ah voilà. J'en ai plusieurs des anneaux là. Améliore l'absorption des dégâts quand vos PV sont bas. Disparaît à la mort, prévenant toute perte. Et c'est quoi ça? Voir info. Un sorti d'une gemme rare nommée Pierre Flamme. Il améliore temporairement l'absorption des dégâts quand vos PV sont bas. Ça j'ai compris, mais... Comment je fais pour la mettre? On va se mettre automatiquement. Ça doit être ça, anneau 1, anneau 2, anneau 3. Ah mais ça doit être ça. Ah bah voilà. Du coup là j'ai un anneau, je vais mettre l'autre. Voilà. Et ça se trouve que je peux mettre d'autres trucs comme ça. Mais putain mais. Bah oui putain, oh là là. J'utilise carrément pas mon inventaire en fait. J'ai vu que j'avais une allumulette là. C'est quoi ça? Sert quoi? Serment. Je sais pas ce que c'est. Et des couteaux, les flèches, mais ça je sais pas comment je m'en sers. Ça je sais pas ce que c'est que l'amulette de chasseur de mort-vivant, c'est un peu bizarre. On va mettre la braise là. La braise, ça. Et sûrement les couteaux de lancer aussi. Du coup. Et ça, cristal, permet de bannir un spectre ou de rentrer dans votre monde. Établir le lien vers d'autres mondes. Je comprends pas ce que c'est ça. Perte d'armes, de retour ou de feu. Si tu le dis. Bon, par contre, je suis obligé de me le taper là pour revenir. Bon, je vais courir, hein. J'y vais là. Hop là.
lui c'est fait. Voilà. Faudrait que je récupère mes âmes qui doivent être quelque part par là-bas. Je ne les vois pas. Putain, mais y a... elles sont où? Je crois qu'elles sont là-bas, mais... au pire, je cours. Ah non, faut pas courir. Ouais, si, elles sont là, je les vois. Elles sont juste là-bas. Faut que je me tape les chevaliers, là. Voilà, vas-y, viens. Fais ton petit fifou, là. Allez, allez, j'ai esquivé. Voilà, un au moins. Épée de chevalier de Lothric. Ah, ça c'est intéressant, ça, voyons voir. Cette épée. Elle est où? Elle est là. C'est un peu de la merde en fait. C'est pas si... ah, il faut être à deux mains, je crois, ou je sais pas, je comprends pas trop. De toute façon, je comprends pas grand chose. Hein. Elle est une petite fiole. J'ai gardé les couteaux de lancer. Ouais. Couteaux de lancer. Je vais voir combien de dégâts que ça fait ça sur lui. Ça fait 11 quoi. Le mec, je l'ai bourriné de pauvre de couteau de cuisine. Putain. Bon, avant de faire le fifou, on va vite. Non mais déloque-le, déloque-le. Mais putain. Mais arrête. Voilà, on va vite récupérer nos âmes. Ok, il s'est barré. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là? C'est un peu chelou ça. Putain, j'ai trop de trucs dans mon inventaire. Bah c'est peut-être la vieille dame, tiens. Bon, j'ai peur quand même que ce soit un boss. Ennemi redoutable droit devant, d'accord, ok, oui. Combien d'évaluations? 24. Donc c'est pour des conneries. Ouais. Ça m'inspire pas trop confiance là pour le moment. J'hésite à utiliser une braise. J'en ai combien? J'en ai 4. On va utiliser une. Allez. Vas-y, je vais me le faire, lui. Ah putain, il m'a eu avant. C'est bon. Je l'ai niqué. Mais l'autre chevalier là, il me titille là. Il me titille. Ok, j'ai loupé mon attaque, mais c'est pas grave. Moi j'ai loupé encore. C'est pas vrai hein. Je vais tout foirer.
Et puis comme ça, quand t'es en hauteur, c'est pas facile, dis donc, ça. Ah bah là, maintenant qu'ils sont deux, là, laisse tomber. Ah, ça y est, y'en a un qui est mort. Il fait une attaque, là. Il veut pas. Ah, coucou, Mouktouk. Ah, Mouktouk, ça fait longtemps, comment tu vas? Et viens là, allez, fais quelque chose. Il fait quelque chose, oui. Oh. Il est... Alors lui, il est sacrément con, lui. Hein. Quel connard, là. Ah, salut. Bah oui, ça fait longtemps. Bah écoute, ça va. Et toi? Comment ça va depuis, alors? La chérie, la... La vie professionnelle et tout. Allez, putain, qu'il est lent celui-là. Oh là là. Bon, allez, vas-y. Oh, putain, toi tu m'as énervé là, ça y est. Allez, voilà. Un pantalon. Encore un pantalon. Un falzar. Voyons voir ce pantalon. Putain, j'en ai trois. C'est les deux mêmes falzars, quoi. Un peu chelou, ce qu'on a. Je disais bien. Des carreaux, mais je m'en fous aussi des carreaux. Ces armures me font peur. Voilà. Non, c'est quoi ça? Non, ça c'est une fenêtre. Alors, est-ce que la dame est-elle en bas? Je pense qu'elle est là, elle est en bas, je pense. Pour la quête secondaire, là. Lui donner un espèce d'anneau ou je sais pas quoi. Je sais même plus c'était quoi qu'il m'avait donné, d'ailleurs. Alors, moi ça va super, je pars demain pour chez la mouquette et j'y resterai jusqu'à ce que je trouve un appart là-bas et ensuite je prendrai un premier taf qui me passera sous la main. Du coup, là je suis en train de préparer mes bagages. Ah bah c'est cool, changement de vie alors. Tout comme moi, pareil. Et du coup, tu vas vivre où alors maintenant? Vision de ennemis redoutables. Mais putain, ils sont sérieux quoi! Ah, monstre en vue, putain, mais y a que de ça. Invoquer ce spectre? Mais c'est qui celui-là, là? Ça commence à me casser les couilles, ça. Alors, y a un monstre en bas, y a un monstre en haut, quoi. Oh putain. Quand on est rentré, la musique elle a changé direct. Ça va se refermer derrière moi, je le sens. Non? C'est pas... Est-ce qu'il y a des portes déjà? Non, mais il y a un portail. Putain, qu'est-ce que c'est? J'ai rien oublié. Ah, j'hésite à utiliser mes âmes là. Là il y a un chevalier là, mais bon lui il sert à rien mis à part protéger une arme que j'ai déjà pris. L'autre là il est costaud, mais bon. On va utiliser ça, tiens. On va quand même se le taper là. Ouais, je suis sûr que lui il doit dropper un truc de malade. Salut Dishrit. Dishrit. Je sais même pas si c'est vraiment ça qu'on dit.
Ok. Tu fais deux attaques comme ça. Ok, ça marche. T'es quand même costaud, mon gars. Wow! Putain! Oh non, mais il est balèze lui. Putain, je l'ai eu, mais... Qu'est-ce qu'il a fait, là? Ah oui, il s'est mis du truc du seigneur. Il me fait peur. Arrête, tu me fais peur. Tu es puissant. Ah bah ouais. Ouais, non, mais je sais pas ce que c'est que ce chevalier de la ouf. Salut, Kerberos, comment ça va? T'es un noob. Ah bah c'est possible, hein. C'est le premier Dark Souls que je fais. J'habitais à Guincamp, je vais génétiquement devenir un breton. Ah, mon vieux breton. Par contre, tu connaîtras plus le soleil, hein. Adieu le soleil, bonjour les nuages et la pluie. On va voir Mouktouk. Mais pourquoi il veut plus frapper? Eh mais j'ai un problème là, mon personnage il veut plus frapper. D'accord, il y avait un problème, il y avait un bug. Ah bah du coup là je suis j'ai encore toutes mes âmes, je comprends pas, j'ai encore toutes mes âmes, ok. Normalement je tue les pères normalement, mais peut-être que j'avais un truc là qui me... Est-ce que je l'ai encore? J'avais une espèce d'amulette là qui faisait que si je mourais, ouais c'est ça. Si je mourais je récupérais mes âmes, donc voilà. Ça fait 3 ans que j'habite dans le Finistère, mais c'est toujours autant des étrangers. Un Finistère? Le Finistère, ça. Je suis au 5e boss et toi 3e? Je sais pas. C'est à la. Au machin là. Le mur de l'Autric. Soyez, c'est trop mainstream, tout le monde en veut et tout le monde en a. C'est vrai. Personne ne dit je veux de la pluie. Du coup, on va se bouffer les âmes qu'on a. Voilà, âme de corps abandonnée là. Donc 200. Encore 200. Âme de grande âme. Du coup, ça donne combien les grandes? 400. D'accord. Allez, où? On retourne au sanctuaire de Ligue de Feu. Finistère, c'est la pointe bretonne où il y a Quimper, Brest, tout ça. Ah bon, c'est là-bas ça? En fait, tu dois te rendre dans la grande salle là où il y a la musique à changer. Mais il y a deux grandes salles, Cerberus. Il y a la grande salle où il y a un monsieur qui est sur un trône. Et une grande salle où il y a une grande porte au fond, mais il n'y a personne. Enfin, c'est plus un grand couloir, on va dire. Mais ce que j'aimerais trouver, c'est la nana. Parce qu'il y a le mec là qui était en prison, il m'a dit « Ouais, il faut que tu donnes mon amulette ou je sais pas quoi. » Et je veux bien donner son amulette, mais... Mais voilà. Mais je trouve pas la nana. Et il me dit qu'elle est au pied du mur, du grand mur de l'Autric. Mais vu comment l'Autric c'est extrêmement grand, eh ben il y a 400 000 murs quoi. Comment trouver le bon? Alors du coup au niveau des armes, voyons voir. Parce que j'ai mon arme principale. 70 sur 70 en durabilité. Physique elle a 156. Physique machin et tout. Elle a 80. De toute façon, elles sont forcément moins bien, mais... Un bec de corbin, mais alors ça, ça va être un peu... Tu trouveras ça dans la prochaine zone. Ah bon? Dans la prochaine zone. Faut d'abord que tu battes le boss de l'Autric. Ah, ok. Du coup, d'accord. Durabilité 60, 80... L'épée de chevalier de l'Autric, c'est un peu de la merde, hein. L'épée large, elle pourrait être pas mal, mais bon. Elle pourrait être pas mal. Mais elle a des bonus d'attributs, c'est ça qui me perturbe, c'est qu'elle a des bonus d'attributs. La rapière, bon c'est sûr que non, ça je le prendrai pas.
Le bec de Corbin, j'ai essayé. En plus, c'est un peu une espèce de grande lance. Ça a l'air d'être pas trop mal, mais... Je sais pas si je serai à m'en servir. Du coup, je vais vendre déjà le chevalier... Enfin, l'épée de chevalier. Et la rapière. Moi aussi, Dark Souls 3 a été mon premier Dark Souls. T'es tellement largué au début, c'est normal. Ah bah, ça, c'est sûr. Alors, t'en penses quoi de Dark Souls, vu que c'est... C'est premier, tu t'attendais à ça? Bah, de toute façon, tu sais, Moutouk, je te l'avais déjà dit que j'avais essayé Dark Souls 1 à l'époque, mais que j'avais arrêté parce que j'ai tué, enfin, sans faire exprès, j'ai donné un coup d'épée à un PNJ, et du coup, le PNJ était pas content, et du coup, il m'a stalké tout le long du jeu, à chaque fois que je respawnais, il me stalkait, il était plus fort que moi, et du coup, il me tuait tout le temps, donc du coup, j'étais keblo. Et donc, du coup, ouais, je trouvais que les Dark Souls sont des jeux très très durs, et du coup. Mais avec une putain de... Un putain de comment ça s'appelle? Oh, comment on appelle ça? putain. Un level design vraiment sympa et surtout l'architecture. Mais pas l'architecture, putain. Oh, bref, l'artistique, voilà, le truc artistique du jeu. Je trouve ça vraiment joli. Et là, pareil, en fait, du coup, ce jeu, je le considère toujours aussi dur avec un challenge. Mais on a l'impression, voilà, on a l'impression d'évoluer. Si on persévère, on a l'impression d'évoluer, de prendre justement de plus en plus de force et de comprendre un peu mieux le jeu. Enfin, en fait, au final, c'est un plaisir de se faire enculer. Enfin voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est ça, hein. Alors du coup, ça, je le vends. Vendre l'épée chevalier de l'Autrique, ouais. La rapière, ouais, je la vends. Et ces deux-là, j'en sais trop rien. Oui. Morte flamme. Oui, la direction artistique, voilà, tout à fait, Moutouk. C'est exactement ça que je cherchais. La direction artistique. Content de vous voir et machin, et je suis content. Alors, est-ce qu'il peut me renforcer l'arme? Il peut pas me renforcer l'arme. Si je peux renforcer celle-là à base de... À 128 plus 20. Et si je passe à celle-là, à 138 plus 19, quand même, ça c'est intéressant quand même. Bon, je vais essayer avec celle-là, avec le bec de Corbin. Et je vais mettre une gemme de brute dessus. Voilà. Voilà, une gemme brute, du coup, elle passe à 178. Elle est quand même bien plus puissante. Puissance de garde. Par contre, en garde, ouais, c'est de la merde, hein. Mais elle fait du dégât, visiblement. Bienvenue dans le monde du sadomasochiste, c'est ça. Oui, j'imagine qu'on peut décrire les Dark Souls comme ça. Un plaisir de se faire enculer. Mais oui, hein. Parce que clairement, c'est ça. Alors lui, je porte ça. Non, mais en fait, il est mieux lui en puissance de garde là. Ah, on pouvait mettre aussi les gemmes brutes et tout. Ah oui, mais du coup, les gemmes brutes, oui, mais non. Très bien. Prenez soin de vous. Mais tu ressembles tellement au forgeron de Berserk. Donc on va s'équiper de ce bec de machin. Voilà. Et on va s'équiper aussi de ce... Mais non. Attends, on peut s'équiper des deux boucliers? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non mais t'es sérieux, on peut avoir deux boucliers? Ah. Le mec il se bat au bouclier quoi. Incroyable ça. Du coup je peux avoir deux armes. Ah ouais. Bon par contre voilà, se protéger avec ça c'est pas tellement top. C'est drôle ça. Ça te fait qu'une putain de puissance de feu en final, mais bon. Je pense que le mieux c'est quand même d'avoir le bouclier. On va prendre lui. Est-ce qu'on peut le reforger d'ailleurs? J'ai pas vu si on pouvait le renforcer.
D'ailleurs, la série Dark Souls a toujours été très inspirée de Berserk. Oui, de toute façon, ça se ressent. Ça se ressent grave. Le boss là que j'ai vu, enfin le boss, en fait, au final, c'est pas un boss, c'est un ennemi simple. L'espèce de gros avec sa grosse hache, il est totalement pompé sur l'un des premiers ennemis que Guts affronte dans l'animé. Quand il est ado. Renforcer l'arme. Alors, est-ce que je peux renforcer le. Ça, je l'ai déjà fait, ça, oui. Il faut des fragments de titanite et le bouclier. Ah, il me faut deux fragments de titanite, ok. Fais gaffe parce que les statistiques seules ne suffisent pas. Certaines armes peuvent avoir de meilleures statistiques, mais être plus lourdes ou moins maniables. Mais c'est de tester au fur et à mesure, de choisir ton équipement en fonction de ta façon de jouer. D'accord. Et ça me paraît pas trop mal, hein. C'est des attaques assez lente mais assez puissante visiblement. Et il faut que je trouve comment on fait pour. Parce qu'en haut il y a un truc. Merde. On voit pas bien. Là. Et une boule. Et une boule. En haut. Il y avait des inscriptions. Bon là ils sont plus. Je sais pas comment on fait pour y aller, mais on doit pouvoir. On doit pouvoir, hein, de toute façon. Allez, on va. Oui. Oui. Alors du coup, la dextérité, puissance d'attaque, c'est quoi? 57, 57, c'est pas génial hein, quand même ça. La force, ça augmente quand même la défense, l'attaque, l'endurance, c'est sûr que de toute façon, il faut que je le fasse. Hein. L'endurance, c'est trop important, quoi. Et la vitalité aussi. Ah putain, c'est soit l'endurance et la vitalité. Ou soit la force. Putain, ça remonte vraiment tout de que un point quoi, hein, c'est pas grand-chose. Voilà, la force quand même, c'est important quoi, mais. L'endurance est tellement important aussi quoi. Ouais, les vitalités et endurance parce que hier j'avais augmenté la force et l'endurance. Allez. Voilà, du coup c'est bon. Au revoir. Oui, au revoir chérie. C'est pareil, il y a un endroit aussi, c'est ici. C'est là. Oh putain. C'est chiant ça. Allez. Laissez-moi rentrer dans ce brouillard. Voilà. C'est ici. Alors je crois que j'ai vu la clé. La clé, elle coûte 20 000 âmes. Hein. Et voilà. Ah mais il y a une inscription ici maintenant. Saut nécessaire droit devant. Mais oui, j'essaye de faire ce saut pour atterrir ici parce qu'il y a un truc là sur le toit. Mais j'y arrive pas. Ah, c'est. Même là. Oh putain, je suis carrément plus lourd là. Alors peut-être en rangeant mes armes, peut-être. Putain, non mais je comprends pas. Saut nécessaire droit devant. Bah ouais, mais il veut pas. Hein. Je sais pas. Ouais, il faut peut-être monter sur l'arbre, mais je vois pas comment. Je sais pas comment on chope ça. Du coup, on va ressortir notre équipement.
Je vais revendre avant tout. L'épée large là, parce que je pense que ça je m'en servirai pas. Oui, bonjour, on va vendre l'objet. Alors, là, ça, voilà. Je veux la vendre, ouais. Voilà, j'ai vendu. Est-ce qu'il y a des autres inscriptions qui peuvent m'aider des fois que. Joie en vue. Je crois en vue. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Pas trop compris, mais c'est pas grave. Allez-y! On va essayer de se retaper le boss alors, du coup. Voyager. Tour du mur ou là? Tour du mur, ouais non, ça me fait faire un détour de ouf. Non, non, vaut mieux arriver ici, hein. Temps de chargement tout plat. Et le guppy qui fait dodo. C'est incroyable comment c'est plat. Mais franchement, si tu parles pas, t'as l'impression que le jeu a planté. Allez. Le mur de Matrix. Voilà. La cornette, bah écoute, ça va. Allez au bureau. Là, elle joue de son côté. Et visiblement, ça va. Je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais elle est dans le bureau, c'est sûr. Alors? Oh, comment je l'ai démonté lui? Il a rien compris. Ah, elle est pas mal ce petit bec de machin là. J'avoue, les écrans de chargement ont l'air aussi longs que Bloodborne. T'as pas intérêt à te planter si tu veux pas mourir de vieillesse d'un téléchargement. C'est ça. Bah en fait c'est surtout les chargements, ouais, quand tu passes d'une zone à une zone. C'est assez long. Et assez plat. Quoi, y a pas de musique, y a rien quoi. Donc, mais comme je disais hier, je pardonne un peu parce que... voilà, tout le long de ce niveau, bah y a pas de temps de chargement quoi. Et pourtant la zone est quand même assez énorme. Hein. Et le temps de chargement, bah y en a qu'un et puis voilà. C'est comme The Last of Us quoi. Sauf que c'était un temps de chargement qui dure, mais un temps ouf! Avant de lancer le jeu. Et sans mentir, hein, je me souviens que moi, quand j'avais joué à Last of Us, je lançais le jeu et j'ai pris mon petit déjeuner. Et une fois mon petit déjeuner fini, le chargement était tout juste fini. Mais c'était incroyable, hein. Le temps de prendre un petit déj, quoi. Allez, reviens là, toi. Voir cette attaque là. Et si je le prends à deux mains? Oh putain, celle-là, elle est. Cette attaque, quoi? Par contre, je crois qu'elle me bouffe toute mon endurance, hein. Ah, pas loin, quoi. Voilà, lui, là, cet ennemi-là, il est clairement inspiré de Berserk. Hein. C'est la copie de... Je sais plus comment il s'appelle, en plus.
Mais c'est clairement un ennemi de Berserk, lui. Oh, quel trou du cul. Putain! J'arrive pas. Mais pourquoi? Je joue comme une bite. Je joue vraiment comme une sainte bite. Hein. J'ai envie d'utiliser une braise. Non. Au pire, j'utilise une braise si j'ai plus de fioles d'estu. L'autre quoi, il est là, il tourne autour, il se fait un peu chier. Allez les chevaliers. Ah, il m'a pas vu. Eh bien là, là, le... En fait, la braise, du coup, tu te retrouves bah, embraisé. Et quand t'es embraisé, du coup, tu as plus de santé. T'es un peu plus fort, quoi, en fait. En gros. Et dès que tu meurs, par contre, tu n'as plus ton... T'es plus embraisé, quoi. Ah putain, mais il charge bien avant moi lui. Putain, comment il fait? J'arrive pas à me battre avec cette arme là. Oh! Putain, mais on s'auto-fight là. Il a une arme longue, j'ai une arme longue et du coup ça fait un peu combat d'handicapé. Si tu joues à la souris, tu peux cliquer sur la molette pour verrouiller un ennemi et lui faire face. Mais ça oui, enfin moi de toute façon je joue pas à la souris, je joue sur Xbox One, donc du coup je peux pas mettre de souris. Mais ouais, j'appuie sur le joystick et ça le verrouille, du coup je peux lui faire face, mais c'est vrai que là je crois que je l'ai pas fait, je suis pas sûr, je m'en souviens plus. D'accord, sans doute un équivalent du corps ou de l'humanité, alors peut-être, je sais pas. Tu arrives à gérer les contre-attaques avec ton bouclier? J'ai essayé hier et ça marche vachement bien, et j'avoue que là j'ai pas réessayé parce que j'oublie beaucoup d'éléments de gameplay, parce qu'il y en a tellement. Au final, Dark Souls est assez simple mais assez complet dans son gameplay, ça qui est marrant. Donc viens, je vais essayer là. Ah bah, ça a pas du tout marché, impeccable. Oh putain, je vais crever. Mais... Ah, j'ai plus d'endurance. Putain, c'est super chaud. Hein. C'est un truc de ouf. J'ai plus... Mais arrête! J'ai pas d'endurance, je peux rien te faire! Mais putain, mais quel sodomite! Ah là là, ça m'énerve! Oui, quand tu bats un boss, ouais, t'es embraisé automatiquement. J'arrive pas en fait à jouer avec cette espèce de truc là. Je gardais mon épée parce que j'y arrive pas. Je suis plus rapide avec ça. Ouais non, moi ce qu'il me faut c'est de la rapidité. Chien là. Ouais. Voilà. Dégage. Lui il m'attend. Je
suis obligé de le défoncer parce que sinon... Voilà. Impeccable. Oh, j'en ai marre de tout recommencer là. Je sens que le boss, je vais pas y arriver. Hein. Allez, quoi. Allez, on court. Je sais pas s'il m'a suivi, mais je pense pas. Voilà, maintenant il va y avoir les ennemis. Voilà, lui avec son putain de d'arbalète là. Ouais, viens là. Mais putain, je calcule mal mes coups, c'est incroyable. J'en ai marre d'être mauvais. Bon, faut pas que je fasse le débile, hein. Avis en vue. Bah y a mes âmes, oui, qui sont là. Faut que j'y récupère absolument. Enfin, quoique j'en ai pas non plus énormément, c'est pas non plus grave, mais... Ça serait bien quand même de les récupérer. Allez, viens là, toi. Toi, ça va, c'est assez facile. Bon, allez, vas-y, je dis ça et je fais n'importe quoi, mais c'est incroyable. Mais c'est pas cette attaque-là que je veux faire, pourquoi il la fait pas? C'est celle-là, là. Mais, il se fout de ma gueule. Voilà. Ah putain, mais... Moi, je l'ai touché, mais il m'a touché aussi. Pourquoi il fait pas l'attaque que je te demande? C'est pas ça que je te demande, c'est celle-là. Mais non plus, c'est pas grave. Je comprends pas, hein. C'est des bugs d'input ou quoi, là? Pourtant, je fais un coup bref joystick vers le haut, et puis la gâchette. Et il fait ça une fois sur 40. Pour du coup, mais... Je vais réussir à crever, hein. Ah, c'est bon. Avec Gantlet, Chevalier de Lothric. Ah, ça c'est... Je crois que j'ai pas eu encore, ça. Qu'est-ce que c'est? Oula, mais c'est mieux. C'est un peu plus lourd, mais ils sont mieux. Du coup, il faut faire merde. Équipement. Voilà, comme ça. J'ai des nouveaux gants. Je suis content. Allez, où? Bon, lui, pendant qu'il a le dos tourné, on va essayer de prendre... Je comprends pas comment on fait pour arriver derrière le dos d'un ennemi sans qu'il nous voit. Je sais pas s'il nous entend marcher. Allez, vas-y, viens, vas-y. On va faire les bonhommes, là. Ah là là, putain, j'arrive pas. Mais j'arrive pas, mais putain de merde. Pourquoi j'arrive pas à jouer? C'est incroyable là! Il va se calmer à m'enchaîner comme ça. Oh putain, merde, je l'ai enchaîné, mais. Oh, il m'a eu et puis je l'ai eu. C'est incroyable ça. Vas-y, je vais essayer une braise. J'essaye, voilà. Toute la vie à Donf. Ah, aidez-moi en vue, ouais, ouais. Manque cruel de amis. Putain, mais ça a l'air d'être super dur. C'est ici, quoi. Putain, le nombre de stages de sang, quoi, en plus. Loué soit le soleil, d'autant plus, ne lâchez rien. Ennemi redoutable droit devant. Attends, est-ce qu'on peut fouiller un peu? Pardon, j'ai cassé l'église. Va falloir faire la quête pour réparer les bêtises.
Peut pas grimper, tiens, ces escaliers là. Ah non. Putain, un mur invisible, tiens, c'est rare ça. Généralement, les backstabs se font en combat. Tu loques un ennemi, tu te rapproches de lui. Quand il fait un coup, tu esquives sur le côté et tu te retrouves dans son dos pour le backstab. C'est loin d'être easy. Ah, ok, effectivement, c'est vrai. J'oublie cette technique. Et en fait, c'est des fois, t'as tellement peur de qu'il te mette la fessée de ta vie, donc du coup, tu oses pas te rapprocher de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a dû réussir à tuer le boss ou je sais pas quoi. Parler, j'ai pas tellement envie de lui parler. Est-ce qu'on peut voir sa tronche? Le mec, tu sais, qui est juste un. Il est en fauteuil roulant ou quoi? Vous savez qu'en ce moment il y a des problèmes avec les églises, hein? On en parle beaucoup pour des sujets. Pédophilie. Je bouffe une plante verte sans savoir ce que ça fait. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate. Raise this banner to proceed. Ah. C'est pas un boss? Ben pourquoi qu'ils me disent que c'est un boss? This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart. And the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Unkindled one. To the high wall's base. Go through the Découvrir le serment de la voix bleue. C'est un succès que j'ai déverrouillé. C'est elle du coup la vieille qu'il fallait donner. Le chien féroce veille au grand. Le maudit chien de garde de la vallée boréale. D'accord. La pauvre mémé, il y a un inconnu qui se met devant elle et qui la enlève avec des jumelles. Ouais, non, mais c'est glauque. C'est carrément ça, tu sais. Tu vois bien l'image. Le mec qui est juste devant lui comme ça. Alors attends que je t'admire un peu mieux, ma vieille. Oh, t'es belle comme ça, non? Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, donc du coup, quoi. Bah, je pense que c'était elle, ma quête. Je pense. Je suis pas sûr. Et là, l'échelle, j'ai vu un mec monter, mais je pense que ça doit être ouvert après. Alors, elle m'a donné deux trucs. Elle m'a donné je sais pas quoi. Voilà, elle m'a donné ça. Petite bannière de Lothric. Tenir devant la porte principale du château. C'est une espèce de clé, apparemment. Et elle m'a donné aussi un autre truc. Je sais pas ce que c'est. Oh putain, j'ai encore deux pantalons sur moi, quoi. En plus, ça me prend du poids. Ah voilà, la voix bleue. Prêter serment à la voix bleue. Mais qu'est-ce que c'est? La voix bleue. Info. Un parchemin en peau de mouton d'un bleu... pâle, orné d'une lune évoquant une... quoi, un pacte conclu à d'autres temps. De la voix bleue sont protégées. Ah, c'est une espèce d'invocation en fait. Des bisous Mouktouk, merci d'être passé. Bonne journée et puis à plus tard. Et bon voyage. Ah, Dark Coca, comment ça va? Ça fait longtemps, Dark Coca. Ouais, donc du coup, je pense que c'est une invocation, cette espèce de papier, là. Bon, du coup, je peux tout péter dans ce... dans cette église. Bah, y a pas d'ennemis, je vois pas pourquoi il disait qu'il y avait des ennemis. Y a quelqu'un, là. Un sorcier! Alors on va péter l'éclairage. Voilà, comme ça tu te démerdes. Bon, on peut aller en haut visiblement. Mais je pense que ce sera après.
Là, il y a un chevalier de la mort, mais le chevalier de la mort, j'ai pas trop envie de me le retaper. On va essayer de se faire le boss direct. Hein. On va pas chipoter. Et toi là. Ah, puis en plus, si vous êtes à deux là, ça va être casse-couille là, hein, sérieux. Allez, quoi. Bon, allez, j'y vais. Bon, visiblement, ici, bah, ça fait peur. Et je pense qu'on va avoir un espèce de dragon ou un truc dans le genre, non? Là, du coup, il faut y montrer le parchemin ou je sais pas quoi. Tu peux aussi bien tuer la vieille, mais crois-moi, t'as pas envie de faire ça. Non, je pense pas non plus, Cerberus. Qu'est-ce que... Ah, c'est le chien, non? C'est de ce qu'elle disait, le chien, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Aïe, 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 aïe. Un boss! Ah, je suis content! Qu'est-ce que c'est que ça? Bord de la vallée boréale. Intéressant. Comment tu veux que je te tue? Parce que t'arrives quand même beau. Hein. Tiens, des couteaux de lancer. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai compris. Oh! Sérieux le truc là? Il me faudrait des fioles. Ah, mais j'en ai plus! Et voilà. C'est bien, je lui ai enlevé 10 de nos habits. Mais sérieux quoi, mais je suis pas assez puissant pour ça moi. Putain, ça m'énerve d'être nul. Oh là là, il faut recommencer à chaque fois. Et puis il faut récupérer les âmes et machin. Allez, casse-toi. Il est où l'autre là? Il est énervé, il est juste en dessous, je crois. Ah non, il court à toute vitesse, le gars. Il en peut plus, lui. Hein. Il est en transe dès qu'il me voit. J'espère qu'il va pas venir. Ah bah c'est bien, tu viens. Par contre, n'actionne pas le levier, hein. D'accord. Mais allez, mais suce mon anus, mais suce mon cul. Oh mais suce tellement mon cul, quoi. Mais sérieux, je me couvre. Je me protège. Et lui, bon allez, ça sert à rien. Il faut recommencer. Mais franchement, je me protège et ça ne fait rien. Je comprends pas. Y a un truc que je comprends pas ou quoi? Non mais je suis mort ici, c'est bien la première fois quoi. Allez quoi, je crève, j'ai perdu toutes mes âmes, allez on est content, putain. Oh, wow, ah c'est le bon jour, ah c'est le bon jour. Je suis content de jouer, je vous rassure, je suis content de jouer. Allez, bande de sauvages. Comment le mec il a écrit un mot ici quoi? Compétences nécessaires, droit devant? Je sais pas de quoi il parle. Toi tu me saoules, mais un truc de malade. Voilà. Voilà. Il me fera plus chier. Quand tu arrives devant la salle du boss tout à l'heure, utilise la braise et cherche les marques d'invocation. D'autres joueurs pourront t'aider dans le combat. Est-ce que c'est pas un peu triché ça ou
Non mais c'est... Non mais, what the fuck quoi. J'ai toujours couru comme ça, comme un... Comme un con, et je me suis jamais pris un coup, et là je prends un coup. Allez, vas-y, allez, je me prends un coup de ça aussi gratos, et allez, vas-y. Et allez, encore un coup de comme ça, et allez. Ça m'énerve de mal jouer. C'est un truc de fou, hein. Bah, au pire, là, de toute façon, je peux me taper, essayer de me taper l'espèce de chevalier ténébreux, là. De toute façon, j'ai rien à perdre, hein. Non, lui, là, mais... Loque-le, voilà. Mais c'est pas cette attaque, c'est un truc de ouf. Il fait une attaque que je lui demande pas. Je comprends pas pourquoi il fait une attaque que je ne fais pas. Je te demande de faire ça. Putain, alors, il en a fallu du temps, hein. Ah, comme ça, j'attire les deux vers moi. Ça, c'est intelligent. Mais je me mets derrière lui, mais... Non mais là ils sont deux. Ouais, éloque-lé. Remonte. On court comme une petite catin. Putain, les mecs, ils... Il m'en veut lui, hein. Non mais allez, vas-y, arrête de m'enchaîner comme ça, là, ça me gave. Et allez, et allez, et allez. Mais c'est un truc de ouf. De toute façon, tant que j'arriverai pas à tuer ces ennemis-là, j'arriverai jamais à tuer un boss ou quoi que ce soit. Ce boss n'est pas très compliqué une fois que tu as compris ses attaques. Je dirais que la coop, c'est tricher. Pour ce boss-là, c'est pas le plus intéressant. Ah. Donc je vais essayer de me le faire quand même tout seul. Putain, je commence à en avoir marre de recommencer ici, bout du coup. Allez, oui, tu crèves, t'es pas intéressant comme ennemi. Et toi, c'est pareil, ouais, tu peux t'énerver, là. Voilà. Une bombe incendiaire, on s'en fout. Je vais mourir dans pas longtemps. On va le tuer l'autre parce que sinon il va... Voilà, avant que tous ses ennemis rappliquent. Ah mais ils ont tous rappliqué au fait. Oh, j'ai récupéré 340 âmes. Incroyable. Ouais, ils sont tous là-bas. Il y a bien un deuxième feu que tu as débloqué, que tu passes par le raccourci. C'est pas plus long de partir de l'autre. Plus long. Mais parce que si je prends le deuxième feu, du coup ça me ferait arriver genre là. Attendez. Ouais, ça me ferait genre arriver ici, sur le toit ici. Puis après descendre. Puis après arriver à ce niveau là quoi, mais lui il est un peu balèze quoi, enfin un peu balèze. Remarque que je l'ai tué du premier coup sans mourir quoi, donc il est pas si fort que ça. Mais bon, vu comment je joue aujourd'hui comme une bite, pas trop tenté. Attendez, là c'est bon. Toi c'est bon aussi, voilà, n'en parle plus. Je vais pas tomber de là non plus, on va pas non plus en abuser. Alors les chevaliers... Allez, attaque! Attaque! Pff, putain, je me mets face à lui, quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il sort d'où l'autre là qui me... Ah oui, c'est vrai. J'ai complètement zappé celui-là. Mais quel salaud! T'en mets pas de la vie. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose? Non mais... T'es un garde, hein. Tu devrais réagir. Allez, putain. C'est ce qu'on appelle un garde zombie, hein. Mais allez, c'est ça, quoi. Eh oui. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, est-ce que je me tape le boss ou est-ce que je me tape et j'essaie de me taper ces putains de chevaliers? Quand un ennemi a le bouclier levé, tu mets un coup de pied dedans pour lui briser sa garde. Ah, avec déjà. Ah, comme ça. Ah, effectivement. Oh putain. J'ai attiré les deux là. Bon, juste un, ça serait bien. Ça m'a l'air bien là. Ah, toi déjà je t'ai mis bien niqué là. Là je suis bien content de moi. Là aussi là. Putain mais... Et j'en ai marre de jouer comme une bite. De la vie. Mais putain, mais c'est pas vrai. Mais... brise sa garde. Brise sa garde. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai plus une potion, je suis trompé de touche. Ok, j'essaie de comprendre les jambières. J'essaie de comprendre le fait de briser la garde et tout. C'est un peu... Franchement, le gameplay est tellement complet, quoi. Faut vraiment tout... pour bien tout mémoriser, il faut des heures de jeu, quoi. Alors du coup, voilà. Est-ce qu'il est mieux ce pantalon? Il a l'air d'être mieux en plus. Oui, oui, il est mieux, hein. Eh ben, on va prendre ce phasar. Je mets ton pantalon. Voilà. On va aller voir l'autre enculé. Tum. Tadadum. Viens ici si tu veux te battre. Viens ici, sauvageon. Mais j'ai... Mais ton culé. Oh. Doucement. Doucement avec moi. Doucement, j'ai dit. J'ai plus d'endurance. Putain, c'est l'endurance qui me manque. Jambière encore, mais ça doit être la même. Exactement les mêmes. Va falloir que je pense à les jeter ou je ne sais quoi parce que ça va commencer à... Ça va commencer à m'alourdir tout ça. Bon. Ah, et lui il est chaud quand même. Il est chaud, mais j'ai bien envie de me le faire. Je sais pas qu'est-ce qui... Putain, est-ce que j'utilise une braise pour ça, quoi? J'utilise l'heure. Je pense que c'est pour l'endurance. Puis, on va bien voir.
peut pas s'approcher silencieusement et genre le prendre par derrière. Sans mauvais jeu de mots. Essayez furtivité. Bah ouais, mais bon. J'essaie. Putain, comment je l'ai enculé là? Ah non, non, il va m'enculer là. Vite. Vite. Il me faut une braise. Ah, la braise restaurée, c'est bon. Merde. Ah, mais j'ai tellement pas assez d'endurance. Dès que je fais une esquive, après j'ai pas assez pour faire une attaque, une esquive là. Merde. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je ne t'ai pas provoqué, je ne t'ai pas touché. Putain, il est chaud. Il est presque mort là. Non. Je l'ai eu. Enculé. Oh, une gemme raffinée. Alors je sais pas ce que ça fait, mais... Oh, je l'ai eu. Oh. Je l'ai eu, je l'ai sodomisé. Ah, putain. Dernier truc sympa, une fois que tu lui as fait sauter son bouclier avec un kick, tu comptes une seconde et tu mets une attaque normale avec LB, il y a des chances que ça one-shot si tu y arrives. Ah oui, ça fait un espèce de truc comme si tu plantais l'épée. Et bonjour Kyonome. Non, Kyonime. Kyonime, je sais pas comment on dit. Les items dans l'inventaire peuvent être en illimité. Ça ne joue pas sur ta charge. Les items dans l'inventaire peuvent être en illimité, ça ne joue pas sur ta charge, je comprends pas. T'as un fat roll, tu dépasses les 70% de port de charge, faut que tu changes un de tes équipements. Alors attends, parce qu'apparemment là je suis trop chargé. Comment tu vois ça? Il dit 70% de charge, port de charge. Charge équipée, là je suis à 38, 9 sur 55, donc ça va. Oui, en gros, seuls les items équipés comptent sur le poids total. Ah, au fait, donc même si j'ai sur moi l'inventaire, on s'en fout, en fait. Ok. Bon, et du coup, il y avait rien d'autre ici, quoi. Quand tu fais une roulade, tu galères à te relever, tu vois. Tu vois? Ah, effectivement. Mais oui, parce que j'avais remarqué que mes roulades étaient bien plus lourdes, là. Au début. Alors c'est peut-être pour ça. Va dans l'équipement, tu verras en haut à droite. Équipement. Oui, c'est ça. Ah oui, ratio de poids 70%. Ah, ah, je comprends mieux. Et donc du coup, normalement, si je remets par exemple mes vieux gants et mon vieux tout pas long. Attends, c'était celui-là. Ah, je suis à 63. Et du coup, là... Ah oui, il est carrément plus léger. D'accord, ok, bah je viens de comprendre en fait. Putain, mais j'ai plus de vie! C'est un truc de ouf, j'ai plus de vie. Je vais mourir de toute façon. Je sais même pas comment je fais pour être encore vivant, j'ai plus de vie. Ah bah c'est pour ça alors du coup que je galérais avec mon... Avec mon... Oh putain, avec mon endurance. Putain, je commence à avoir mal au crâne là. Mais là du coup, bah, autant que je retourne... Autant que je retourne à... Je sais pas pourquoi mon personnage il est bleu. Je pense que c'est ce que la vieille m'a donné là. Parce que là, mon personnage il a un truc bleu qui sort de ses épaules. Je pense que c'est l'espèce de parchemin là con. Ouais, je pense qu'on va retourner au truc de saignement, là. À la ligue de feu. Alors, c'est ça que je voulais voir, parce que j'ai un espèce de ça, là. Os du retour. Remède au dernier feu employé ou sanctuaire. Ramène au dernier feu employé ou sanctuaire, voilà.
Du coup, là, si j'utilise, c'est bon? Ah, voilà. Sanctuaire de Ligue de Feu. C'est l'anneau que tu portes, je pense. Ah oui, c'est vrai! Exact, c'est ça. Le bleu. Oui. C'est vrai que j'ai un anneau qui, en fait, fait en sorte que... Dès que je suis en fin de PV, les dégâts qu'on m'inflige sont moins importants, quoi. C'est vrai. C'est là qui augmente tes défenses quand t'es HP. Ah, icône en dessous, c'est ça, exactement. Icône en bas, en dessous de ton endurance. Ah, j'ai une petite icône en bas, j'avais même pas vu, tu vois. Petit temps de chargement bien plat. Y a pas de musique, y a rien. Lisez. J'ai une petite icône, tu dis, toi? Non, j'ai pas de petite icône, hein. À moins que je la vois mal, mais... Bon, du coup, on va revendre tous les trucs, là, qui me servent à rien, parce que... Bon... Oui, ça va. Alors, y a plein de trucs, là, quand même. Ouais, non, ça, je vais le garder, le bec de cobra. Hein. Enfin, parce que c'est quand même... Ça fait du dégât, mais je sais pas m'en servir, donc c'est un peu bizarre. Si tu veux porter plus d'équipement sans dépasser 70%, il faut augmenter ta vigueur. Ah, mais ça, je savais pas. Les items bonus quand la vie est basse, je trouve ça plutôt nul car tu peux pas te permettre de descendre en PV. Ah, mais ça, en même temps, c'est le seul bonus que j'ai, je crois, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais, ça, du coup, je vais le revendre parce que bon. Je vais revendre tous les. Enfin, déjà, ces pantalons de merde là. Je vais les vendre. J'en vendrai un aussi là. Ça, je vais pas le vendre. Les jumelles, je les garde. L'amulette de mort-vivant, ça a l'air d'être un peu à chier, franchement. Je comprends pas trop à quoi ça sert. C'est un peu pét... Empêche la récupération d'estus dans une zone réduite, quoi. C'est nul. Mais ça se trouve, c'est ça qui m'a quand même sauvé, hein, ma bague, hein, tout à l'heure. Parce que vous avez vu, hein, j'avais plus de vie là quand j'ai battu le gros chevalier là. C'est pour le PVP. Ah, mais du coup, je m'en fous alors, ça. Au PVP, j'en ai rien à foutre. C'est un truc de malade ce truc. Je vais jouer, c'est tout seul quoi. Oh. Voilà. Alors du coup, j'ai récupéré une gemme raffinée. On va voir ce que ça fait. Oui, bienvenue. Je suis le forgeron. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs gemmes dessus? Ah oui. Ah mais du coup, ça me baisse totalement ma... Ça ne sert à rien en fait. Peut-être sur mon bouclier du coup, ça. Si. De quoi donc si? Ça augmente les scaling sur les stats, ça augmente tes bonus d'attributs. De quoi la gemme raffinée? Mais n'utilise pas sur une aussi faible arme. Faible arme. Ah d'accord. Bah ouais, mais j'ai que ça quoi. Ça me fait chier. Est-ce que je peux renforcer mon arme? Ah non, mais putain, j'ai que deux, j'ai que un titanite, quoi. C'est ouf. Prithee, be careful. I don't want to see my work squandered. Donc après, plus tu vas up ta force ou ta dex, plus les dégâts seront importants. Oui, tu passes de dé à C. Assez rapidement, tu pourras avoir des épées et des ténèbres qui est super forte. D'accord, bah du coup, je vais la garder alors. Oui, c'était toi que je voulais voir. Toi! Et tu changes tout le temps de place. Maintenant, il va falloir que tu tryhardes le boss. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Ouais, très bien. Oui, très bien.
Je crois que j'ai même pas assez. Ouais, non, j'ai même pas assez. Alors, hein, tiens, suce mon cul. Ouais, au revoir. Est-ce que vous savez comment on fait pour aller en haut? Est-ce qu'il y en a qui savent? Parce que là, attendez. Je vais essayer de vous montrer. Là, là, il y a un truc en haut. Et on peut pas y aller. Enfin, on peut pas y aller. On peut sûrement y aller, mais je veux dire, je sais pas comment on fait pour y aller. Là, c'est... Voilà. Il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Il faut acheter la clé. À 20 000 âmes. Oh non, mais ça va pas. Salut, Holozan, comment ça va? Non, mais 20 000 âmes, quoi. Mais sans déconner, 20 000 âmes. Comme ce que je peux me... Je peux me... augmenter de niveau de ouf, quoi, avec... avec 20 000 âmes. Et là, c'est pareil. Là, il y a un truc. Sur le toit, là. Il y a une boule. Et là, il y a marqué saut nécessaire droit devant. Moi, je veux bien faire le saut, mais à chaque fois, ça veut pas. Il y a moyen de l'avoir sans clé? Ah bon? La clé de la tour devant toi? Oui, celle-là, ouais. Ouais, oui, c'est ça, oui. Je l'avais vu en plus dans le... La marchande, là. Elle me disait, ouais, machin et tout. Et j'ai vu une clé à 20 000, mais bon, 20 000 quoi. Pff. Mais écoute, ça va, Holozan, merci. Et là, j'ai beau sauter. Et pourtant, même là, on voit que je suis pas loin. Je sais pas. Pour le saut, tu t'appuies sur l'arbre sans l'armure, sans équipement, tu seras plus léger. Alors. Ah oui, j'avais déjà essayé comme ça. Alors, sans l'armure, sans équipement. C'est la même clé qui te permet d'accéder à tout ça. Pour le saut, ça peut se faire en t'aidant du tronc d'arbre à côté. Ah bon? Donc du coup, vous me dites bien ça. Pour le faire le saut, il faut sprinter sur l'arbre et sauter avec le toit, vers le toit, 5 ou 6 essais, je pense. Des os pour l'ortho. Non, mais c'est pas grave. Je suis pas prof de français. Alors attends, on va se foutre tout nu. Je savais même pas qu'on pouvait vraiment se foutre tout nu dans ce jeu. Vraiment se foutre à poil là? Ah ouais. Putain, il est en pyjama quoi. Il est en falzar. Ah, ce vieux falzar. Fais voir la gueule de mon personnage. Ça a rien à voir. Hein. Et on passe d'un petit gugus. Ah, c'est pas des conneries. On peut faire le saut, sprinter sur là. Bon, on va essayer. Attends. Pour faire le saut, il faut sprinter. Putain, une erreur est survenue. Et il me fait chier, putain, Twitch de la Xbox One de merde. Putain, cette application, elle est... Oh. C'est affolant. Elle est mal foutue. Hein. Voilà. En t'aidant du tronc de... On peut pas grimper dessus, en plus, sur ce tronc. Peut-être comme ça. Ah! Ça se trouve que je fais ça alors comme un handicapé alors que c'est pas vrai. Oh! Putain, je crois que j'étais presque. Ça se trouve que c'est vrai en plus. Non, mais il faut qu'il grimpe dessus. C'est bizarre, des fois il grimpe, des fois il grimpe. Voilà. Des fois il grimpe un peu. Faut sûrement trouver le bon angle. Oula, oh le bug. Ouais, à mon avis c'est possible. Par contre ça va être relou à regarder. Ah putain mais je saute trop tard, j'ai un bug de mon cerveau là. Je mets 15 ans à réagir quoi. Putain, bon, allez j'y étais là. Presque l'arme te donne la bonne hauteur. Ouais, ouais, je vois ça. Ah putain, mais. Non, non, je suis pas monté dessus. C'est bizarre, des fois il monte, des fois il monte pas. Alors attends. Faut que j'essaie de trouver. Voilà, c'est à partir de là que ça commence à grimper. Voilà, là, genre ici. Je suis bien là. Bon, là je pouvais pas courir et sauter, mais. Peu importe où je prends l'arbre, je arrive à le grimper. Non. En fait, si on le prend ici,
Ouais, ça veut pas monter. Il faut vraiment le prendre, genre, par là, là. Putain, c'est compliqué, hein. Ah, putain, il a pas voulu. Ah bon, bah voilà. Oh putain, j'ai réussi. Oh là là, bien joué. Alors là, merci, hein. Merci à ceux qui m'ont aidé, à moi, qui m'ont donné l'astuce, putain. Putain, c'est pas évident. Et putain, faut le savoir quand même, hein. Et du coup, c'est quoi? Os de... C'est tout? Juste pour aller... Sérieux? Ces efforts... Je me suis mis à poil, cul nu. Pour sauter et tout, pour avoir un os de retour. Bon, c'est pas trop mal, mais... Quoique, c'est pas fini encore. Ah bah... Ah bah voilà. Ah bah putain, bah nickel. Oh là là. Oh bah merci. Merci tout le monde. Je vous remercie fortement. Je vous fais des bisous avec mon sexe. Alors on va remettre ça. On se remet quand même. Non, tiens, on reste sans pantalon. Tiens, c'est marrant comme ça. On va quand même le foutre parce que quand même. Ah ouais, putain, celui-là quand même 68% quoi, dès que je le fous. Ok. Je vais sortir mon. Hop. Bon, le bouclier au pire il sert à rien ici. Non, t'as un frag d'astuce et un anneau. Ah, il y a un frag d'astuce et un anneau. Continue sur le toit. Et en haut, il y a encore une autre astuce si tu veux. Ah bon? Ah ben je veux bien. Mais ce que je veux voir par curiosité. Ah voilà. Parce que lui, c'est un connard, lui. C'est un petit salaud. Parce que lui, il m'a one shot je ne sais pas combien de fois et je me suis dit. Ce qu'il faudrait, ça serait l'avoir par le bas. Enfin, par le haut. En lui tombant dessus et puis en lui faisant max de dégâts. Parce que lui, il te met la pâtée, c'est un truc de ouf, hein. Bon, du coup, on va aller voir le machin. Par contre, faut pas que je tombe parce que je sais pas si j'arriverai à le refaire, hein. Mais c'est où? C'est là. Du coup, faut pas tomber, hein. C'est où? Quoi? Donnez-moi piou piou piou, boum badaboum. Mais c'est Lilou de du cinquième élément. Pic poum patapoum multipass. Fragment d'astuce. Ah, je vais pouvoir. Tu le tues facile en le faisant tomber dans le vide. Bah ouais, mais ça, j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Eh ben, c'est impeccable. Un fragment d'astuce. Quoi? Donnez-moi plus. Je vois pas la gamine. J'entends la voix, mais je la vois pas. Et un mur illusoire aussi. Ah oui, alors ça, il y a un des murs illusoires apparemment. J'ai vu un mec qui avait dit attention, illusion droit devant. Et c'est de la merde. Ici en haut, il y a un faux mur. Alors voyons voir. Ça peut pas être celui-là. Putain, j'ai peur de tomber, c'est un truc de malade. Ah, c'est un corbeau! Mais pourquoi il parle comme une fille? Au bout de la passerelle, tu peux taper dans un mur pour relever un passage secret. Alors attends, on vient d'où? On vient de là, donc je suppose qu'il doit être là. En face. Oh putain! Mais ça, s'il y en a partout dans le jeu, c'est... Il faut taper tous les murs, hein. Et du coup là... Ah mais du coup c'est là. C'est là que je voyais la dernière fois. Attends, parce que c'est bien ça. Est-ce que là il y a le trône? Ouais si c'est ça, il y a le trône. Attends, putain j'arrive pas à me situer. Là on peut dégrimper. Ça c'est les deux côtés. Ah si c'est ça. Ah si c'est ça. Et je pensais qu'on justement que... Oh putain j'ai failli tomber là. Que ici... Bah du coup c'est bon.
Ouais, mais je sais pas. Ah, mais après, faut peut-être que je... Oh non, fais chier. Je sais pas. Ouais, vas-y, je tombe. Y a un mur illusoire aussi ici, non? Oh, y a rien. Ah non, c'est un coffre, je crois que c'était... Piller le coffre. Un convoité de serpents argentés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ça c'est des gemmes. C'est ça. Les ennemis vaincus rapportent plus d'âme. Oh putain, mais c'est super bien ça. Mais du coup, c'est bien. Ben merci beaucoup. Ben voilà. Par contre, je suis un peu plus lourd. Quoique là, ça va. Ah, du coup, je peux pas remonter. Ah merde, fait chier ça. Je suis obligé de tomber. Sauf là, peut-être s'il y a un mur, non? Non. Bon, ben, en tout cas, c'est bon. Mais vous m'avez pas dit qu'il y avait aussi une astuce pour aller encore plus haut? Parce que moi sinon je veux bien le savoir, hein. Ça m'évite de payer une clé à 20 000 âmes quoi. Je vais essayer déjà, je vais essayer un truc. Je suis désolé, hein. Normalement il faudrait se battre le boss et tout, mais c'est pas grave, au moins ça m'a permis de trouver des choses. Si la clé. Ah ouais, non mais... La clé à 20 000 âmes, non merci. Je vais essayer un truc. C'est de péter le mec avec son katana de ouf là. On se met tout nu. Enfin, je vais complètement foirer. Ah merde, j'y étais presque là. T'as plus le choix, tu peux pas aller sans la clé. Ah merde. Voilà, t'as trouvé l'anneau de Mastune. Bah oui, effectivement. Putain, ça je l'aurais trouvé dès le début, ça aurait été vraiment pratique ça. Mais comment tu peux savoir ça quoi, franchement? Ah putain, mais je saute complètement à côté là. Je vais essayer de tuer le gars avec son katana en un coup. Là. Et non, j'y arrive plus. Il faudra acheter de la clé à un moment ou à un autre. Ah ouais, on est obligé en plus de l'acheter cette clé. Et les 20 000 âmes, tu les as faciles grâce au dragon. Le dragon qui est dans le mur de je sais pas quoi là. Bon putain, j'y arrive pas. Bon, laisse tomber, ça me saoule. Une dernière fois. Le dragon qui est en vie là. Ah oui, parce que c'est vrai qu'en plus la porte qu'il y a en dessous le dragon, elle est fermée. Putain. Bah, c'est bizarre, des fois je fais des trucs un peu bizarres là. Mon perso il se coince à moitié dans l'arbre. Ah voilà. Il n'y a pas moyen d'aller plus haut. Bon, je vous crois, je vous fais confiance, parce que de toute façon, vous m'avez dit qu'on pouvait aller là déjà comme ça. Alors... Peut-être que je me remette en... Que je m'habille quand même. Que je sois un peu présentable. Voilà. Je sorte, hop, mes affaires. On pouvait y accéder de là. Il est bugué. Attends.
Mais si on pouvait y aller de là en fait. Ah non? Mais il est bugué là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah si, on pouvait accéder de ce côté. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah non, 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 il y a un mur. Non, non. À quoi ça sert d'aller là? Ah, il y a le truc là qui m'avait donné je sais pas quoi la dernière fois. Ça m'avait donné une gemme, je sais pas quoi ça. Ah bah là, ça m'a donné une titanite scintillante. Une titanite scintillante. Ah bah du coup, je suis... Ouais. Non, bon, clairement on peut pas y aller là. Une titanite scintillante, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai une écaille de titanite que je m'en suis jamais... Renfort d'armes, transposé, 4. Renfort d'armes unique, 4. Renfort de plus 4. Bon, je sais pas trop. Je vais essayer de tuer le mec. J'ai tombé de haut. Il est où? Putain, il est là. Putain, mais il est bugué. Je sais pas si je vais la voir de là. Je vais boire une fiole. Putain, je l'ai fait mal là. Pour une fois, là il a mangé là. Putain, non, mais loque-le, loque-le, enculé. Voilà. Oh putain, je l'enchaîne là. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai eu? Ah, je l'ai eu. Oh, il m'a rapporté 2000 âmes. Wouah! Yushi Gatana, habit de maître et gants de maître. Qu'est-ce que c'est? Il a l'air d'être bien ce truc là. Merde, il y a un truc que j'ai pas là. Attends, je peux pas le... Attends, j'ai récupéré ça. Un habit de maître. Bon, c'est de la merde hein, quand même. Hein. Bon, c'est léger, mais c'est de la merde. Hein. Enfin, quoique, poison. Un poison, malédiction. Niveau magie, c'est un peu fort, mais. Ah punaise, je me sens tout pourri d'avoir galéré comme un taré pour vaincre ce type. Non, mais Cerberus, t'inquiète pas. J'ai galéré énormément au tout début. Hein. Là, j'ai réussi par miracle. Hein. Sinon, je suis mort déjà pas mal de fois avec lui. Une très bonne arme d'ex pour le début du jeu. Ah, donc du coup, c'est une bonne arme du coup qu'il a lâché le gamin là. Et ça, c'est pareil, ça, c'est un peu de la merde en fait. C'est de la merde, mais c'est pas de la merde, c'est ça qui est drôle. On va dire, c'est pas ça qui va me protéger, mais c'est ça qui peut peut-être m'aider. Mais c'est le katana là. Non, voyons voir. C'est ça, hein. Objet inefficace avec les attributs actuels. Quoi? Mais je l'ai là. J'ai le katana là. Il y a un truc... Ah mais oui, c'est un mec. Alors pourquoi qu'ils me disent, mais du coup tu peux... l'invoquer pour qu'il t'aide au combat aussi. Tu auras quelques NPC comme ça au long du jeu. Il te faut 16 en dext. Il te faut 16 en dext. J'ai combien moi? Fais voir.
Dextérité. Putain, j'en suis loin. Hein. Du coup, il me sert à rien. Merde. Fait chier ça. Comment ça se fait que je peux m'en servir? Ah ouais, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Ok. Je reprends mon épée. La dextérité est affichée en rouge. Ah ok, d'accord. 16. Ouais, effectivement, 16. Ok. Alors, faudrait que j'essaie d'avoir 16 en dextérité, quoi. Bah du coup là je peux utiliser mes âmes pour augmenter de niveau. Où est-ce qu'elle est l'autre cruche? Ah tu es là. Welcome home, Ashen One, speak thine. Very well. Then touch the Oui. La dextérité. Bon, faudrait que je fasse la dextérité, mais en même temps, il faudrait que je fasse aussi l'endurance, la vitalité, la force. Et c'est vrai qu'en dextérité, quand même, je suis quand même assez bas par rapport aux autres. Ouais, je vais faire la dextérité, allez. Farewell, Ashen One. Oui. Et du coup, là, je suis à combien là? Je suis niveau quoi? Niveau 23. Très bien. Allez, bah du coup on va essayer de se taper le boss. Putain. Ça va être un enfer, je le sens. Que c'est plat. Allez. Le mur de Matrix, allons-y. Ah mais merde! Putain, le con! J'ai oublié un truc, je suis désolé, on va devoir se retaper deux chargements. Ultra long, ultra chiant et ultra silencieux. Parce que je n'ai pas utilisé la fiole d'Estus, là, le truc que j'ai ramassé. Le truc où j'ai galéré pour grimper sur un arbre de merde pour pouvoir l'avoir. Faut au moins l'utiliser, quoi. Non, je crois pas. Non, non, je l'ai pas mis. Il est sur l'ordinateur. Bon, allez. On va voir le forgeron. Alors, André le poté. Renforcer fiole d'estu. Voilà. Nombre d'utilisation augmenté. Voilà. Oui, je prendrai soin de moi. Et on repart dans le temps de chargement. Ah, maintenant j'en ai 6. Déjà, ça sera peut-être la fiole de plus qui me sauvera contre le boss. Allez.
Ah, nous revoilà. Et hop. Saloperie, tu vas crever. L'autre il est là, il en peut plus là. Ouais. Il a clairement un problème ce mec. Espèce de sale stalker. Puis il va venir. Même pas, tiens. C'est bon, il me suit pas. Oh là là, il tape contre le mur. Quelle bite. Ah. Ah, une arbalète, tiens. Je crois que je peux pas l'utiliser de toute façon. L'arbalète. C'est con qu'on puisse pas descendre là directement. On va esquiver les chevaliers, de toute façon ils ne servent à rien. Voilà. Bah eux c'est pareil, remarque, hein, je suis pas obligé de me les taper non plus. Hein. Voilà. Faut pas me les taper. Voilà. Toucher la marque d'invocation, ouais mais non. Alors tu viens. Ok. Tiens. Prends ça. Une boule d'effet. Allez vas-y viens. Wow. Putain la vie qui m'a enlevé. Oh là là, oh là là. Allez. Vite. Oh non. Il m'a tué. Oh il m'a tué. Tiens je voulais mettre de la vie mais je me suis trompé, j'ai mis la... J'ai bouffé cette putain de plante. Bon il a pas l'air d'être si compliqué que ça en fait. C'est juste qu'il est assez massif. Et qu'il a un gros gourdin. Je perds de la vie quand je tombe comme ça. Merde. Mais quel connard, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me fais sodomiser ici. C'est nouveau ça. J'ai perdu tout. Oh non, non, mais alors ça, ça y est. Aïe aïe aïe. Mon dieu. Vas-y, viens. Allez, vas-y, viens. Tant qu'à faire. Des bruits, mais comme un quichon. Incroyable. Oui, c'est ça, vous êtes mort. J'ai perdu 1000 âmes. Allez, hop, on est content. C'est pas grave. Allez. Comment? C'est quoi cette vieille attaque qu'il m'a fait là? Vous allez me foutre la paix? Mais c'est incroyable!
Je suis passé 15 fois ici sans me faire toucher des fois, et là, maintenant, je me fais toucher comme un... Comme un kéké. Tu vas crever, espèce de sale race. Ok, d'accord. Génial. Bon, on va recommencer. Ah, ça devient gavant, là. Hein. Putain. Allez. Allez, il faut y croire. C'est juste ce passage qui est chiant en fait. Après le reste je m'en fous, mais ce passage il me saoule. Ah lui il va s'énerver. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah ça y est. Voilà, il est parti. Il est content. Pourquoi il y en a qui foutent des messages ici? Porte, rien de plus. Vous savez pas quoi écrire lui, hein. Attention ennemi, même ça on le sait. Hop, on court. Mais putain, mais j'en ai marre de taper ce mur là. Allez, je me fais avoir comme un bleu. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je comprends pas pourquoi je joue comme ça. Hein. C'est ouf. Le chevalier, on va attendre qu'il se barre. Allez hop, casse-toi. Donc c'est pareil, on s'en fout. En plus, vous mettez 40 ans à dégainer. Voilà. Allez, go. Oh, quelle incroyable bête! Ouais, oh là là. Mais comment ça se fait que... Okay. Oh là là. Oh là là. Derrière lui là. Il m'a tué déjà. Quel combat. Incroyable moi. Bon, il y a un truc que j'arrive plus à comprendre. Tout à l'heure j'avais réussi à bien la voir. Mmh. De toute façon j'avais pas assez de vie. Ça va pas ça. Toi déjà, hop. Je crois que je vais surveiller tes HP et utilise peut-être un peu plus ton bouclier. Mais j'utilise mon bouclier, en fait j'ai toujours le doigt dessus, constamment. Et j'attaque après en même temps, mais après peut-être que... Ouais, je sais pas. Mais là je vais essayer de jouer normalement là. Juste pour essayer de reprendre un petit peu de skill, parce que là c'est incroyable quand je joue super mal. Tiens, l'épée dans le cul. Ah, tiens, il se réveille lui. Un fragment. Ah bah, comme ça, tiens. Tu vas l'avoir à l'usure. Ah bah, ça c'est clair. Le premier boss, j'en ai chié, hein. Le tout premier, je l'ai eu en persévérant comme un porc, hein. Je sais pas où il est parti l'autre. Je vais persévérer jusqu'à ce que je l'aurai. Jusqu'à ce que je l'aurai, ça veut rien dire. Jusqu'à ce que je l'ai. Jusqu'à ce que je l'aurai, je prendrai ma dernière bière. Toi, je t'esquive. Parce que sinon tu vas ramener toute ta troupe là. Voilà. Je mets le bouclier devant.
Et allez, je me fais et encore avoir, c'est incroyable. Hein. Exactement pareil. Comme les dernières fois. Un pantalon. Mais je commence à en avoir marre de ramasser des falzards de merde là. Ton falzard, tu peux te le garder. J'en veux pas. Laisser. Voilà. Comment ça bien faire de ramasser des falzards comme ça là. On dirait un vieux clodo. Ah, oh, j'ai plus de pantalon. Hop, excusez-moi messieurs. Allez, je vais essayer d'utiliser plus mon bouclier. Enfin, plus mon bouclier de... Ouais. De toute façon, quand il fait un saut comme ça... Oh, putain, j'ai utilisé mon bouclier, là, ça a marché, en fait. Ah, c'est bon. En fait, il marche bien, ce bouclier. Ah là, là, il a bien marché. Bon, là, il est... Là, voilà, j'avais plus d'endurance. Comment tu veux ? Congélation ? Congélation. Ah, il est ralenti. Putain. Merde. Il était congelé. Vas-y, rattaque une fois là-bas. Mais il est congelé encore ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il m'a complètement loupé. Je sais pas où je suis. Ah, je suis en dessous de lui. Ok. Oh la vache. Oh la vache. Ah, il a la moitié de sa vie là. Oh, là j'ai pas eu tout ce qu'il est. Je suis où? Je vois plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Haleine de fraîcheur, qui se coule. Ok, ok, barre-toi. Putain. De Dieu. Je vois plus rien. Je vois plus où je suis. Il veut pas me laisser, il est pas zouzou hein. J'essaie de chercher une braise. Ouais, j'ai une braise. Non, je suis mort, j'étais presque à la fin de sa vie quoi. Presque à la fin. Je voulais utiliser ma braise, mais au moment que j'ai utilisé ma braise, il m'a foncé dessus et puis je suis mort. J'aurais dû esquiver et puis... Oh, putain, dommage, là j'aurais pu l'avoir, vraiment j'aurais pu l'avoir. Ah, fait chier. En tout cas, merci du conseil d'utiliser mon bouclier, c'est vrai que c'est quand même pratique. En fait, quand tu vois une arme comme ça que le boss il a, tu te dis que ton bouclier va servir à rien. En fait, si. C'est ça qui est drôle. Ah, je les ai tous niqués. Pense à baisser ton blocard, ton bouclard. Après blocage, ça fait remonter ton... Non, du plus vite. Ah bon? Je savais pas. Attends, fais voir, on va essayer. Genre là, je fais ça, ta 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 ta. Là, je garde mon bouclier. Ouais, et là, je l'enlève. Ah oui, carrément. Ah putain, mais je me disais... Putain, merci pour le conseil. Hein. Putain. Mais j'avais pas du tout remarqué. Moi, depuis le début, je me disais, putain, il faut sûrement que j'améliore ça, ou...
ou alors trouver un truc spécial pour pouvoir faire en sorte que mon endurance remonte plus vite. Mais en fait non, c'est parce que je reste appuyé sur la garde, putain. Putain, merci, hein, putain. Pour le savoir, ça, mon dieu. Alors là, je vais pas me faire avoir, là. On va avoir le cul. Bah, tire ta flèche, là. Voilà. Manteau, c'est pareil. Voilà. Mais attention, bloquer une attaque de celui-là au bouclier te consomme toute ton endurance. Une esquive est toujours plus pratique. Mais il vaut le lancer ni trop tôt, ni trop tard. Prends une braise juste avant le combat, t'auras plus de HP. C'est normal, c'est ton premier Dark Souls. Ah, ça se voit. Ouais, bah oui. En même temps, on a vu tous ceux qui ont déjà joué à Dark Souls à se dire, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce kéké, quoi. Donc toi, tu me dis d'utiliser la braise avant. Je peux pas tout deviner non plus, c'est vrai. Surtout que le jeu n'explique pas trop grand chose. Même si ça va quand même, hein, il explique un peu, mais bon. Pas non plus. Non. Allez, on est reparti. Salut mon salaud, je crois que tu me reconnais. Allez, j'ai complètement foiré mon attaque. Ma défense. On esquive. Oulé. Non, c'est mes âmes, on les voit. Ah ouais, quand même, il fait mal. Congélation. Je pense que là, en fait, j'ai dû... On va voir un truc. Arrête, putain, j'appuie deux fois sur le bouton parce que je me suis excité dessus. Ah non, mais là, je joue comme une bite. Là, clairement... Alors, je t'ai niqué le cul. T'attendais pas, mon salaud. Allez, vas-y, viens, je t'attends. Je suis dans son cul, Il est qui, beau? Oh, là, il est qui, beau. Là il va faire une espèce de roulade ou je sais quoi. Oh là, j'ai fait trop tôt, bien trop tôt encore. Allez, on essaie de venir dans ce... Ouais, là c'est ma dernière chance. Après, là, c'est lui ou moi. Je pense que ça va être plus moi. Oh la vache, comment... Vache! Qu'est-ce qu'il va faire là? Oh! Putain, non, mais là, son attaque est tellement rapide en fait. Bon, tous ceux qui commencent par la première fois un Dark Souls galère comme ça, tu es dans la norme, lol. Un truc aussi, montre-moi un peu ton inventaire. Après. Alors. Je sais pas ce que tu veux que je te montre dans mon inventaire, parce que j'ai tout ça, mais après j'ai d'autres trucs, quoi. Ça, c'est les outils. Les outils, les matériaux. Bah, donc j'ai des gemmes raffinées, écailles titaniques, titanite scintillante et fragments titanite. J'ai la clé de cellule que j'ai fait. La petite bannière de l'autrique, là. Tenir devant la porte principale du château. Bah après j'ai ça aussi comme arme, le bec de... Et le katana, l'arbalète, bon ça l'arbalète je pense qu'on s'en fout. J'ai un autre bouclier. Ça c'est de la merde. Après j'ai les deux trucs et puis j'ai ça. Prêter serment à la voix bleue, je sais pas ce que c'est.
Bah oui, ça, je fais que de fouiller de toute façon dans Dark Souls, hein. Les moindres pièces que je peux faire, je les fais. De toute façon, je pense que je n'ai rien oublié dans ce niveau-là, du mur de l'Autric là. Mais ouais. Oh. Oh. Je vais faire une coupure. Une coupure du stream. Ah, mais tu peux essayer d'aller vers le dragon. Tu pourras récupérer des fragments d'os et tu pourras brûler au feu principal pour améliorer ce que te rend des fioles. Ah bon? On peut essayer d'aller vers le dragon. Ça m'intéresse ça. Et le truc des fioles aussi, mais je comprends pas trop. Encore un Falzar comme c'est incroyable. Je vais essayer de me battre à deux mains, tiens. Parce que tes fioles te rendent pas beaucoup de vie. Avec le fragment d'os, ça t'en rendra plus. D'accord. Ah bah c'est grâce à ça, donc, du coup. Faut que tu rushes la porte en dessous du dragon avant qu'il crache du feu. Faut faire vite en sprintant, quoi. D'accord. Quoi, c'est les os de retour que tu utilises? Ça? Attends, on va essayer... Oh la merde, j'ai pas vu cet ennemi. Attends, je vais te faire cracher le feu pour qu'il nique tous les ennemis là. Ah non, c'est autre chose, tu verras quand on aura. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, il est mort. Du coup, on va essayer. Dragon droit devant, donc joie droit devant. C'est très drôle. Ah, l'autre il est même pas mort là, l'autre là. Qu'est-ce que je suis con moi. Merde. Non mais l'autre il est en plein dans le feu, il a rien. Il crame pas. Alors. Oh merde, des trucs partout. J'ai trouvé une braise. J'ai réussi. J'ai réussi. Recharge ta charge. Attends, réduis ta charge d'équipement, tu es trop lourd. Déplacement trop lent.
faut être en dessous de 50 pour ta charge maximale, en dessous de 25, c'est le plus rapide possible. Ouais, mais après, j'ai plus de défense, quoi. Je me prends un coup, je me fais canner, quoi. Non ? Coffre droit devant, mais attention, coffre. Ah bon ? Putain. J'aurais jamais pensé qu'on puisse aller en dessous le dragon. En tout cas, là, on a réussi. Merci. Merci Cerberus. Est-ce qu'il y a des ennemis ici? Il y a personne? Ah oui, il y a un coffre là. Est-ce qu'il y a des trucs? Putain, j'ai envie de pisser. Hein. Il faut que je pisse et il faut que je coupe le stream. Je fais juste une coupure pour la rediffusion YouTube. Et je reprends de suite après. Oui, le coffre c'est un ennemi. Le coffre c'est un ennemi. Qu'est-ce qu'ils me disent? Essayez charmeur. Et donc, ah, silence en vue. Je comprends pas trop. Alors le coffre est un ennemi. Alors donc, c'est un petit peu de la merde. Donc. Une mimique. En fait, ça servait à rien du coup d'aller là, non? Mis à part ouvrir cette porte là qui emmène de l'autre côté, quoi, mais. Alors, du coup, elle détient aussi une bonne arme pour le début du jeu. Ah! Oh putain! Oh putain! Alors, attends. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce coffre? C'est horrible! Putain, c'est tellement dégueulasse! Ça fait tellement penser à Berserk! Vas-y, viens! La gueule du monstre, quoi. Une hache de guerre abyssale, mais nom de Dieu. Corne, quand j'ai vu le nom, j'ai bien fait de penser au groupe de psychopathes. Ils sont pas psychopathes, Corne. Mais oui, c'est ça, c'est par rapport au groupe que j'ai mis. Mon nom tout... Non, c'est pas du tout mon pseudo. Hein. C'est... Parce que mon pseudo était déjà pris sur Twitch, donc du coup, j'ai dû en trouver un autre qui avait rien à voir, mais... Par rapport à ce que j'aimais, quoi, plus ou moins. Et 133, c'est par rapport à Slipknot, c'est pour ça. Merci, Olzan. Ah, bah, vous m'avez bien aidé, les gars. Pour le coup, là, putain. Oh, j'ai envie de pisser, c'est affreux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, comment on fait déjà? Non, c'est comme ça. Voilà. Ouais, elle est assez rapide en plus, hein. Ah, c'est intéressant, ça. Intéressant. Cette hache. J'ai envie de pisser, c'est affreux. On va. Vous m'avez compris, donc on va. Oui. On va monter par ici, on va ouvrir la porte, comme ça, ça sera fait. Ça sera débloqué. Ah, putain, j'ai envie de pisser, c'est incroyable. Elle fait 103 de dégâts physiques et 103 de dégâts ténébreux. T'as pas mieux, crois-moi. Elle fait 103 de dégâts physiques plus 103 de dégâts élémentaires, c'est pas dégueu. D'accord. Mais par exemple, regardez, parce qu'il y a un truc que j'aimerais comprendre. Putain, je vais me pisser dessus, c'est incroyable. Parce que regardez, là la mienne, marqué 156, et celle-là, ah non, 103, parce qu'il y a un truc que je comprends pas, et en plus on peut pas comparer, putain j'en peux plus, faut que j'aille pisser, bon allez je reviens.
Ah, voilà, c'est bon. Bon, je... Bon, du coup... ouais, ce que je voulais dire... comment... Est-ce qu'on peut comparer? Putain, changer de catégorie, simple? Non. Changer. Laisser sélection. Détruire sélection, ça me fait peur, ces mots-là, là. Ouais, enfin, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, mon épée est plus... est meilleure que ma hache, parce que... En physique, il y a marqué 156. Après, moi, je n'y connais rien, parce qu'en même temps, il y a tellement de choses qui sont affichées. Durabilité. Alors, durabilité, la hache est meilleure. En physique, elle est moins bonne, je pense. Par contre, elle fait des dégâts de ténèbres, en plus. Poids 3, poids 4, coup PC. Je sais plus ce que c'est, ça. Les points de contrôle? Non, c'est... Non. Point de... Oh, je sais plus quoi. Je crois que c'est la mana, je crois. Teste sur un ennemi, tu verras. Ok. On va tester. Mais crois-moi, elle est meilleure. Bon, je vous fais confiance parce que depuis le début, vous m'avez dit quand même beaucoup de bonnes choses. Et c'est marrant, quand je tape, ça fait... Alors, c'est peut-être le truc de ténèbres. Ah, toi. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller battre le dragon. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai battu. Hein. C'est en l'attirant vers le dragon et le dragon l'a tué quoi. H 206 de damage. 103 plus 103. Ah, tu cumules les deux en fait du coup. Alors attendez. De toute façon, je vous fais confiance. Mais vraiment une confiance aveugle. Hein. Pour vous dire. Hein. Pas d'objet en vue. Mais il y en avait plein qui disaient qu'il y avait un mur illusoire ici. Mais moi j'en vois pas. Hein. Menteur droit devant. Y a rien. Oh, peut-être là. Oula. Non, je sais pas pourquoi. Alors, du coup, on va améliorer la hache, du coup. Ce serait mieux. Bon, il faut que j'arrête le stream. Il faut que je fasse une coupure parce que sinon la VOD sur YouTube elle sera trop longue. Et du coup pour l'exportation ça va être trop chiant et faudra que je fasse par plusieurs bouts et machin etc. Ça va être relou. Donc ouais, j'ai coupé pendant le temps de chargement. Donc je vous dis à tout de suite. Et puis bah à demain pour ceux qui sont sur YouTube. Allez, des bisous.